Bienvenue sur votre canal de santé, de bien-être et des loisirs créatifs. Aujourd'hui, je partage avec vous une toile pour la fête de mer. Alors, c'est parti. Ça va être une couleur noire et dorée. Donc, j'ai peint la toile. Elle est là, une petite. Et là, je vais coller les accessoires. Donc, là, c'est un petit bouton noir avec, vous voyez, de l'or à l'intérieur que j'avais acheté. Et donc, on va coller avec un pistolet à colle. Je vais essayer de centrer au maximum. Vous savez, les cadeaux, les décorations, des fois, c'est vraiment très très chouette quand vous faites des idées assez originales que vous trouvez vous-même, que de suivre des choses prédéfinies, traditionnelles, connues. Non, non, les idées comme ça, bric-à-brac, originales, trouvées, inventées, des fois ça donne vraiment bien et c'est assez chouette. Et c'est comme à la fois c'est personnalisé, ce sera une toile unique pour votre petite maman, si elle aime cette deux couleurs, bien sûr. Et sinon, vous prenez les couleurs qui sont ses couleurs préférées. Et puis, ça le fait également. Donc, voici également. Donc, tout ça, vous l'achetez dans une mercerie, dans un magasin de décoration pour loisirs créatifs. Voilà, vous tenez bien votre petite chaîne. Voilà, vous faites attention que ça soit vraiment le bon côté, que ça s'est pas emmêlé surtout. Voilà. Et puis après, on va coller le côté un peu pointu. Moi, je l'ai mis pointu, mais vous pouvez le mettre rond, comme vous pouvez le mettre ovale. Voilà, vous faites ce qui vous convient. Vraiment. Ça pouvait être du noir avec de l'argenté ou du noir avec du rouge aussi ou du noir avec du rose. Voilà, c'est vraiment au choix. Donc vous enlevez les surplus de la colle. Voilà. Et là en bas, je vais coller de petits cœurs dorés. Voilà, moi j'ai décidé d'en mettre trois. Ah, quoique trois, est-ce que ça serait pas trop? Allez, je vais voir. D'abord, je laisse deux. Je continue et puis on verra. Et là, je vais mettre des petits strass sur le rebord. Donc, je vais prendre un ciseau et je vais l'affiner. Donc voilà. Donc j'ai mesuré et après je coupe et après je vais coller. Donc voici. Elle est autocollante, moi, cette petite. Vous prenez bien les dimensions et tout droit. Et voilà. Et on va faire pareil l'autre côté. Donc là, pour cacher un petit peu là, le bout de la chaîne, je vais mettre des petites fleurs. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Comme ça, tout est bien habillé. Hop.
Allez, là, je vais mettre maman, amour, maman, comme vous voulez, ou un grand M aussi. Comme ça, voilà, ça fait plusieurs idées pour chacune ou pour chacun. Allez, c'est parti. Donc là, je prends des paillettes liquides et je vais écrire au milieu, au centre. Là, je vais coller encore le troisième cœur. Et ça y est, j'ai mis la lettre M pour maman. Et là, je vais saupoudrer un peu de paillettes. C'est la fête des mamans. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de fête sans paillettes. Vous l'avez compris, ça, avec moi. Là, je vais mettre un petit peu parce que comme il y a déjà assez de paillettes comme ça, dorées partout, juste pour faire un petit rappel de la fête et de l'assortiment. Allez, vous allez me dire, c'est un petit peu ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la fête et c'est comme ça. Allez, voilà. Waouh, joli. Regardez. Le rendu est magnifique. Écoutez, likez, partagez, profitez, aimez, reproduisez. Et bonne fête à toutes les mamans. Au plaisir, à bientôt.